Buenos días. Antes de empezar, deseo expresar mi profundo agradecimiento a Stéphane Monet, Enrique García Vargas y Oriane Bourgeon, los promotores de estas investigaciones que nos condujo hacia aquí para compartir con vosotros los últimos años de investigaciones. Un reconocimiento especial va para la Casa de Velázquez, su director Michel Bertrand y Laurent Calgarin por acogernos en este hermoso edificio. Estoy más acomodado con el francés, por eso voy a hacer la comunicación en francés. Je vais débuter cette communication en rappelant rapidement que la thèse que je débute cette année s'inscrit dans la continuité du programme PEBRE, qui a débuté en 2013. Ce programme a notamment permis de renouveler nos connaissances sur les ateliers d'amphores Dressel 20 et Dressel 23 grâce à des prospections systématiques sur l'ensemble des ateliers de la vallée du Genil, dont le nombre a été porté à 29. Ces prospections se sont accompagnées de la fouille de l'atelier de Las Delicias, dont les résultats vous seront présentés un peu plus tard par Oriane Bourgeon et Séverine Corbel. Le sujet de mes recherches porte sur les ateliers d'amphores à huile de la vallée du Guadalquivir, dans le conventus d'Hispalis. Ateliers qui sont actuellement localisés entre Peñaflor et Brenes. Cette étude se place à la suite d'un travail débuté en Master 2, consacré à la mention de Portus sur les timbres d'amphores Dressel 20, dont je vais vous présenter les principaux résultats. Une partie des timbres sur Dressel 20 livre le terme Portus sous différentes formes abrégées entre les villes de Peñaflor et de Brenes au sein du conventus Hispalensis, alors que le long du Genil, mais également entre Cordoue et Peñaflor, aucune estampille ne comporte cet élément dans son texte. Les prospections réalisées dans la vallée du Genil par Oriane Bourgeon et les travaux en cours menés par Iban González Tobar dans la province de Cordoue confirment que le terme de Portus est propre au conventus d'Hispalis. Sur les 2540 familles de timbres répertoriées par Pierrot Bernier-Millet en 2008, seulement 138 mentionnent l'élément Portus sous les formes abrégées PORT, comme ici Portus Carmonensis, POR, PO et la lettre P. Ce total représente seulement 5% des familles de timbres connues sur Dressel 20. Le travail de Master 2 sur les Portus a permis d'associer une étude bibliographique à une étude de terrain. Jusqu'à présent, l'analyse des ateliers a toujours été réalisée à partir des corpus des timbres qui y sont rattachés, et jamais à partir des données matérielles disponibles autres qu'épigraphiques. Les prospections menées depuis plus de 100 ans sur les centres de production ont permis de recenser le terme Portus sur les timbres de 14 ateliers d'amphores Dressel 20 parmi la centaine actuellement connue. Ces 14 ateliers vous sont présentés ici. Avant de vous exposer nos conclusions sur la notion de Portus, il convient d'énoncer ce que nous savons actuellement grâce aux timbres et grâce aux recherches de terrain. Alors, ce que nous savons grâce aux timbres, premièrement, c'est que le terme Portus apparaît sur les timbres de Dressel 20 au début de l'époque flavienne. Le terme Portus est associé à des noms d'agglomération du conventus d'Hispalis qui sont devenus municipes à cette époque. Le terme Portus est également associé à des noms de personnes, propriétaires de figlina ou responsables de production pour ces derniers. Ces deux types de timbres, qui soient associés à des noms d'agglomération ou à des noms de personnes, peuvent coexister sur un même lieu de production, ce qui implique que le terme Portus recouvre surtout un sens juridique. Enfin, ce terme est spécifique à la Bétique et plus particulièrement à un secteur se trouvant en amont d'Hispalis. Ce dernier point est important, car si Portus était un synonyme de figlina, il se rencontrerait sur les timbres de l'ensemble du bassin de production. En définitive, nous pensons que le terme Portus, qui est donc lié géographiquement au conventus d'Hispalis, implique l'existence d'un système complexe qui, à partir de l'époque flavienne, organise une partie de la production et du stockage des amphores sur une série de sites se trouvant à l'amont de ce grand port fluvio-maritime qu'est Hispalis. Les municipes,
Situés dans ce secteur et dont les territoires touchent les berges du Guadalquivir, sont directement impliqués dans ce système visant à échelonner sur une trentaine de kilomètres des stocks d'amphores et donc d'huile. Ces portus n'accueillent pas d'amphores d'autres centres de production, car sinon on y trouverait une multitude de timbres résultant des casses inévitables provoquées par l'existence de tels stocks répartis sur près de 2 siècles. Il ne s'agit donc pas seulement d'entrepôts ou bien de grands ateliers, mais bien de complexes de mixtes destinés à soulager Hispalis, mais aussi à garantir, grâce à l'implication de plusieurs municipes de ce conventus, l'approvisionnement de Rome et des camps d'Elymès. Il est par ailleurs possible que ce système ait assuré à ces cités des revenus destinés à financer la stabilisation, l'entretien des berges et la navigabilité du fleuve, qui peut être considéré comme la plus difficile à maintenir en état en raison de sa situation géographique qui l'exposait aux crues et aux modifications du tracé du fleuve. Il s'agit ici d'un travail de master. Les interprétations qui découlent de ces mémoires ne sont que préliminaires et elles restent bien évidemment ouvertes aux critiques et aux discussions. Toutes ces questions seront reprises et affinées dans le cadre de la thèse. Cette thèse concerne donc les ateliers implantés dans la vallée du Guadalquivir entre Peñaflor et Séville. Cette zone ne correspond pas à un découpage arbitraire, mais correspond donc aux limites de l'antique conventus hispalensis, là où sont précisément localisés ces portus. Ainsi, cette thèse s'inscrit également pleinement dans la continuité du Master 2. Donc, dans ce secteur, le nombre d'ateliers d'amphores Dresselvin varie, selon les auteurs, entre 25 et 39. Cet écart de chiffres s'explique faute de discriminants satisfaisants, permettant d'authentifier avec certitude un site comme étant un atelier. Les ateliers actuellement connus se répartissent donc entre Peñaflor et Brenes, comme vous pouvez le constater sur cette carte. Grâce aux datations fournies par les timbres, nous avons pu obtenir une première vision d'ensemble de la durée de fonctionnement pour chaque atelier. Bien évidemment, et les prospections d'Oriane l'ont par ailleurs prouvé, les estampilles ne révèlent pas avec exactitude la durée de fonctionnement d'un atelier, puisqu'il existe des périodes de production où le timbrage des amphores est rare, voire inexistant. Cependant, si on ordonne les données fournies par les timbres, on dispose de premiers éléments indicatifs. Alors, les ateliers d'amphores Dresselvin présentés dans ce tableau sont présentés d'amont en aval, de Peñaflor jusqu'à Brenes. On observe quelques tendances avec une production d'amphores Dresselvin qui semble plus précoce en amont du fleuve, mais ces ateliers ne semblent pas avoir fonctionné tardivement, contrairement aux ateliers situés un peu plus en aval du Guadalquivir. Alors, voici les cartes des ateliers basées sur ces datations. Alors, les timbres attestent d'une activité entre 30 et 70 après Jésus-Christ pour une dizaine d'ateliers. Et elle souligne également l'importance de la production d'amphores Dresselvin entre 70 et 200 après Jésus-Christ avec la présence de 30 ateliers. Voilà, ici entre 120 et 200 et 200 et 270. Dans le cadre de ma thèse, l'ensemble de ces 39 ateliers vont bénéficier de nouvelles prospections suivant le protocole établi dans la vallée du Genil, dont Oriane vient de nous expliquer les principes. Depuis la fin des années 80, aucune nouvelle recherche de terrain n'a été effectuée sur ces centres de production. Dans le cadre de mon master, un de ces ateliers a été prospecté et à livrer des informations inédites qui rendent compte de l'intérêt et de la nécessité d'effectuer de nouvelles prospections systématiques. Il s'agit de l'atelier d'El Marchante, situé à 2,5 km à vol d'oiseau du Guadalquivir. Le site d'El Marchante avait été considéré comme une villa par Michel Poncich à cause de son éloignement du fleuve. Ici, à l'époque antique, le fleuve passait au devant de l'atelier de Madre Biera,
depuis le lit du fleuve a bougé un peu plus au nord. Alors en effet, comme on le voit très bien sur cette carte, le site est installé sur un plateau et aucun cours d'eau proche ne permet de le relier au Bétis. Sur ce site, on rencontre un certain nombre de timbres mentionnant un portus, notamment avec le timbre TANP ou MIAPC. L'éloignement du site à un cours d'eau avait été repris comme argument par Pierrot Bernimillet pour confirmer que le terme portus avait aussi le sens d'entrepôt. Michel Poncige, comme Pierrot Bernimillet, considérait en effet que le site d'El Marchante correspondait à une zone de stockage de Dresselvain remplie d'huile liée à une villa. Les prospections que nous avons menées en 2014 ont livré des éléments matériels caractéristiques d'un atelier. Outre des rebuts de cuisson de Dresselvain, les ramassages de surface ont en effet livré des bassines destinées à la production des Dresselvains, ainsi que des fragments de fours vitrifiés. Aucun reste de villa n'a été observé, et les briquettes d'Opus Picatum, vues par Michel Poncige, pourraient appartenir au sol d'une salle de pressoir oléicole semblable à celle fouillée en 2014 et en 2015 à Las Delicias. Ce site est extrêmement intéressant car il constitue une anomalie au sein du corpus des sites de production ayant utilisé le terme portus dans le timbrage des Dresselvains. Ce dossier montre qu'il convient de prêter davantage attention aux données archéologiques lorsque celles-ci sont rassemblées dans un cadre scientifique rigoureux et confrontées à d'autres établies selon le même protocole. Ainsi, les prospections ont permis de caractériser ce site, jusqu'alors considéré comme une villa en atelier, de mettre donc en évidence une production de Dresselvain, mais également de Dolia. Les prospections ont également permis d'établir la durée de fonctionnement de l'atelier grâce à une étude attentive des bords. On constate dans le graphique en haut que la première datation de l'atelier était datée d'après les timbres entre 50 et 180 après Jésus-Christ, et l'étude des bords a permis d'allonger la durée de fonctionnement de cet atelier, qui donc a fonctionné de 30 à 210 après Jésus-Christ. Alors, près de 60% des timbres connus dans le monde romain ne sont pas rattachés à des lieux de production. Les prospections menées sur les rives du Genil et les premières études débutées sur le Guadalquivir au cours des 2 dernières années n'ont permis de rattacher que quelques-uns de ces timbres à un atelier. On estime ainsi que plusieurs ateliers ont été détruits ou restent encore à découvrir, notamment dans les zones de vide, ici entre Tosina et Brennes, où aucun atelier n'a été recensé, ou bien peut-être plus en aval, entre Brennes et Séville. Mais également sur le Rio Corbones, où il peut y avoir des ateliers, on connaît déjà un atelier, Villar de Tesoro, mais peut-être y en a-t-il d'autres. Outre les 39 ateliers déjà connus qui feront donc l'objet de nouvelles prospections, un intérêt certain pourra être porté à une série de villas. L'absence de critères discriminants permettant de caractériser un site en atelier a sans aucun doute conduit à sous-estimer leur nombre. L'atelier d'El Marchante que nous venons d'étudier indique potentiellement la présence d'ateliers en retrait des grands cours d'eau navigables que sont le Guadalquivir et le Genil. De plus, des prospections sur certains sites, donc considérés comme des villas, pourraient permettre de repérer de nouveaux ateliers. La lecture des notices de Michel Poncige indique qu'un certain nombre d'ateliers sont encore à découvrir. Par exemple, le site de Las Chozas, qui est situé au nord-ouest d'Alcalá del Rio. Michel Poncige signale la présence de ratées d'amphores à huile, ce qui semble indiquer la présence d'un centre de production d'amphores. Certaines villas où ont été découverts des fragments d'amphores pourraient être ainsi prospectées, notamment sur ces zones de vide.
À titre d'exemple, dans la vallée du Genil, le site de San Rafael était considéré par Michel Poncige comme étant une villa. On ne connaissait qu'un timbre et les prospections menées par Oriane ont prouvé l'existence d'un atelier à cet endroit avec la découverte de 68 timbres et de grandes quantités de matériel amphorique. Les lieux de production des ovoïdes 6, Oberaden 83 et Alterne 71, qui sont donc des amphores à huile tardo-républicaine et augustéenne, n'ont pas été localisés avec précision. Ces amphores sont surtout importantes pour l'apparition à l'époque augustéenne des premiers ateliers de Dresselvin. De nouvelles prospections systématiques pourraient ainsi renouveler nos connaissances sur les lieux de production de ces amphores, dont aucune trace n'a été recensée sur les ateliers de la vallée du Genil. Un regard attentif sera également porté sur les productions tardives au travers de l'amphore Dresselvin. 23, pardon. Dans le Conventus Hispalensis, sa production est aujourd'hui attestée sur 7 ateliers. Donc dans la vallée du Genil, le nombre de stands de production de Dressel 23 connus était de 6, mais les nouvelles prospections qui ont été menées ont permis de tripler ce chiffre, et aujourd'hui nous connaissons 17 ateliers de Dressel 23 entre Essira et Palma del Rio. Lors des prospections de 2014, dans le cas du Master, une production de Dolia à El Marchante et sur l'atelier de Tostoneras a été attestée. Ces Dolia étaient peut-être destinées à la production d'huile ou à l'équipement d'entrepôt pour le stockage de l'huile provenant des fundis environnant avant sa mise en amphore. De nouvelles prospections pourraient permettre d'identifier de nouvelles productions. Pour conclure, l'étude réalisée sur les portus dans le cadre du master a mis en avant le statut particulier de certains ateliers du Conventus d'Hispalis. La présence d'amphores à huile tardo-républicaine et augustéenne témoigne, pour le Conventus d'Hispalis, des productions antérieures aux amphores Dresselvin. Les premières perspectives de recherche mettent en avant l'intérêt comparatif de cette zone d'étude avec celle de la vallée du Genil et plus tard avec le Conventus de Cordoue. La carte de répartition des ateliers entre les trois conventus, donc ceux d'Hispalis, de Cordoba et d'Astigi, tend à nous donner une vision un peu simplifiée de la production d'amphores Dresselvin. La présence d'amphores Oberaden 83 ainsi que d'Alterne 71 dans la vallée du Guadalquivir et leur absence dans la vallée du Genil, ainsi que la présence de l'élément portus dans le texte des timbres des ateliers du conventus Hispalensis, sont des premiers éléments révélateurs de dynamiques différentes au sein même de ce bassin de production. Je vous remercie de votre attention.